Merci pour ta lettre. S'il te plaît, n'écris plus en bleu. Après, j'ai froid. On dirait que mes lèvres sont muettes. Heureusement, mon oreille rougit quand elle rougit quand je la vois dans la glace pendant mon temps. Après, elle chauffe. Je me tresse, mais on ne peut pas salir. Le docteur m'a donné le livre que tu m'as dit. Je l'ai enfourné dans mon lit, je tourne les pages avec mes pieds sous les couvertures. Plus tard, j'irai voir si les pages sont cornées. C'est inévitable. C'est l'usure, le frottement. Rien. Pourtant je prends bien tous mes médicaments, mais j'ai toujours la boule. Je ne la perds pas, elle reste là au fond de ma bouche et me mord à l'intérieur de moi. Tu comprends? Tu comprends toi? Hier j'étais dehors. J'ai marché dans le gravier du soleil jusqu'à l'hôpital. J'ai couru, j'ai crié. Avec un petit caillou dans ma chaussure, ça m'a fait mal. J'aurais dû méfier. En rentrant, on m'a donné un bol chaud et de la confiture. Il y a une panne. Tu sais, l'électricité ne se voit pas même dans mes tartines. Ce jour-là, j'ai frotté mon front sur un lave sale. Aujourd'hui dehors, il y a du vent. Tout ça fait comme un coup d'aile derrière ma tête. Et je sais qu'il n'y a personne, non rien, jamais. Et pourtant je tremble. Je tremble tant. Aujourd'hui dehors, il y a du vent et des épines. J'aurais dû me méfier. Je ne peux plus sortir. Je t'aime, Marine.